Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. On se retrouve pour continuer notre petite partie après mes petits soucis de connexion. Du coup, cet épisode devrait arriver le jour où vous le regardez. Et on était arrêté, alors ça fait du coup quasiment 2 semaines que j'ai pas tourné. On venait de se sortir d'un piège, en tout cas d'éviter quelques tirs d'artillerie. On avait abattu les traîtres dans le dos avant qu'ils s'enfuient. Ils s'enfuyaient par là. Et notre objectif, réussir à nous barrer. Retraverser la rivière. Alors on a une sortie ici visiblement directe. J'imagine qu'on peut refuser la mission. Mais on ne traverse pas la rivière si on fait ça. Donc du coup c'est assez bizarre. Dans les cas, nous on va essayer de localiser l'artillerie. Si on peut se faire un peu de munitions, c'est pas un mal. Du coup on va essayer de voir un peu ce qu'on voit de là, en se planquant un coup, genre là, là, qu'est-ce qu'on a, du monde, un petit peu de loot, un peu de métal, très bien. Ok, donc visiblement, en plus, ils rançonnent les gens, les petits fumiers. Alors par là, il y a l'air d'avoir une tour de guet. Où est notre cercle de limite? En pause. Ah, puis on voit pas quand on est en pause, très bien. On voit pas jusque la tour de guet, mais ça paraît quand même assez calme ici. Cela dit, au niveau de la rivière, c'est déjà de l'autre côté de la rivière, hein, donc si on est là-bas, c'est que on est déjà plutôt avancé. Bon. Voyons un peu ce qui nous attend par là. Ah, voilà. Déjà, il y a de l'ennemi, donc on va se détendre. Sinon, ce mec, si on est caché, là. Peut-être pas tous. Ils sont pas cachés, demi-tour. Toi t'es caché. Oui, ils sont tous cachés, parfait. Alors mettons un peu de vision. Donc là il y a les deux rigolos qui font leur petite patrouille. Qui ont l'air d'être globalement plutôt seuls. T'as quelques loups là dans la pampa, non? Ah, on peut partir par là-bas, intéressant. Ils ont fait demi-tour, on va attendre qu'ils reviennent et on va les choper dans le dos, bien sûr. Et... excellent. Là, il y a toujours les mecs qui font leur vie. Bien. Vous deux, vous allez être dédiés à l'assassinat de ces deux compères là. Ça leur apprendra à nous essayer de nous prendre en embuscade. Et bon, parfait. Plus ils vont loin, pour les gérer. Ah, on a découvert un nouveau. C'est là-bas, pas de soucis. Oh, ils vont passer proche de nous en fait. Et carrément, on est passé pas loin de se faire détecter en fait tout à l'heure. Allez, avec le pas étouffé là, on est bien. Ok, parfait. On peut avancer. On peut se cacher dans ce coin là, éventuellement là, mais c'est peut-être un peu agressif, encore que. Pas tant. Pas tant, pas tant. Alors on n'a pas de médecin sur cette mission. Est-ce qu'on a quelques stabilisés? Ouais, on a quand même quelques stabilisés. On n'a juste pas de médecin. Notre Maximilien qui se fait toujours blesser, donc on est hyper confiant. Alors... étudions un peu la situation.
Lui, il patrouille. Lui, il fait sa popote. Il est surveillé par celui-là parce qu'il est hors de vue, mais on peut pas l'atteindre sans passer dans sa vue. Et du coup, il y en a un quatrième par là. Ok, donc celui-là est relativement facile à se faire, du coup, on va peut-être commencer par lui. On va prendre nos deux copains là pour avoir une vision. Ah, lui il patrouille, ok, intéressant. Et lui aussi, du coup, d'accord, ils bougent tous plus ou moins comme ils veulent. On va prendre nos fusiliers, avancer par ici. Attention à lui là qui a des angles de vue un peu merdiques, mais qui a des angles de vue quand même. Jusque là, on va aller se faire celui-là. Là. Et aller se planquer peut-être là de l'autre côté. Alors, attention à lui là, il voit assez large. Donc, ah, il y a lui qui nous a vu. Ah, ou qui a entendu peut-être. Il a dû entendre le meurtre là. C'est pas plus mal. Ça va nous permettre de le nettoyer. Coucou. Hop là, du coup lui il va revenir. On va pouvoir le défoncer aussi au passage. Pourquoi j'avais un poing et pas un couteau là? Non, il n'y a pas d'objet. Bizarre. Par contre, pour l'instant, on est en plein dans son angle de vue, donc on va voir si ça se croise ou pas, comment on gère ça. Peut-être qu'on va pas pouvoir agir. Lui, il est pas caché. Hein. Recule un peu, voilà. Alors lui, il va jusqu'où? Bim. Vas-y, enchaîne. Donc il se retourne, non, il papote avec le civil. Nickel. Prosím, vezměte si nástroje z téhle bedny. Rudí tady drží všechny cesty a křižovatky. Ale když opravíte ten most na severu, můžete tam projít nepozorovaně. Rozumím. Našla jsem opravářskou sadu. Poslouchám. OK. Parfait, du coup, on a oh, poisson, tiens, yolo. Tu vois, ramasse-le. Un petit poisson grillé. Hop. J'ai envie de dire. On va pas se priver. Donc, du coup, on aurait deux ponts potentiellement à réparer. Un pont là et un pont là. Donc, notre kit actuel ne suffira pas. Là, on est d'accord, hein, on peut pas traverser. Ok, voyons voir ce qui nous attend. Là. Ok, ici un peu de carburant. Pas. Est-ce qu'il y a des gardes à un endroit? Dans la pompe pas. Non. Des loups. Une horde de loups qui se baladent. Bon, passons assez loin. On a déjà traversé là le petit chemin là. On est très nombreux et tous tireurs, donc je pense que les loups, on devrait pouvoir les gérer. Bon, ça va faire des munitions utilisées pour pas grand chose, mais c'est pas grave. On va chercher ça. Merde, ils nous ont déjà vu. Ok. Peu. Zameriavam. Le dernier. Non, on n'a pas réussi à se le faire. Okay. Donc il va probablement revenir avec ses copains, mais on sera loin. En idéal. Là, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Il y a plein de choses là, c'est quoi ça? Ah, c'est du carburant à côté d'une vieille auto pétée. Intéressant. Ça c'est quoi? Cache. Ah non, d'accord, c'est pour mettre la planche ici pour pouvoir atteindre ça, ok.
Rozumím. Bon, on va récupérer ça, comme ça on n'aura pas besoin de revenir. On va progresser un peu avant que les loups se pointent. Mettre un petit coup de binocle. Si ça arrive sur le... sur la rivière, il n'y a rien. Et par là, on arrive sur une zone avec des bateaux, il n'y a pas d'ennemis. Allons-y pour voir. Par ici, il y a potentiellement plus de monde ici, j'imagine. Est-ce qu'on a de quoi se planquer? Pas trop. Toi, vas-y, va chercher ça. Donc, visiblement, on va avoir un pont là et un autre pont là-bas. Et vu que l'artillerie arrive à tirer ici, elle va probablement être dans cette zone. Là, il y a de quoi se planquer. La question, c'est est-ce qu'on peut l'attendre. Donc là, il y a un mec qui ne regarde pas trop dans notre direction. Là, il y en a un autre, mais il est loin. Ça paraît jouable. On va essayer d'atteindre cette zone. Aussi. Peut-être avec son tonneau, là. Je sais pas s'il peut scanner, se cacher avec son tonneau. On dirait qu'il peut se cacher avec son tonneau. Alors, voyons voir. Donc ici, il y a un grenadier, un mitrailleur qui vient vers nous. Tout là-bas, il y a un fusilier. Parfait. Est-ce que ici il y a du monde? Il y a un mec tout là-bas, mais c'est carrément gérable. Alors, du coup, toi, ça serait bien que tu poses ton truc. On va le faire porter par genre un grenadier plutôt. On a détecté une nouvelle personne. Ok, encore un fusilier là-bas. Voilà, et du coup, nos fusiliers vont repartir à la brèche. Jouer un peu. Ça va. Ouh, il y a du peuple, hein. Ah, là, il y a un truc qu'on pourrait déposer, le carburant. Il y a peut-être une voiture qu'on voit pas ici. Ça, c'est quoi? Des grenades explosives, excellent. Un de carburant ici. Lui, on devrait pouvoir se le faire quand il va repasser sans trop de problèmes. On va franchir la barrière. Hop. Là, parfait. Toi, tu vas reculer un petit peu. Vu les patrouilles, je pense qu'on va pouvoir se débrouiller. Ça paraît carrément jouable. Ouh. Attendez, on a vu un mec derrière là. Des loups? Ano. Podívám se. Ouais, ok, c'est le loup qui est revenu. Bon, normalement, on devrait être safe, je pense. Podívám se. On est quand même assez loin. Poslouchám. Alors là, lui, on se le fait. Ouh, ça nebude va être tombé, to en fait. To je lepší možnost. C'est passé. Ano. Chercher ça pendant qu'on y est. Postarám se o to. En se mettant par là, on aurait pas mal d'opportunités. Hein. Sur lui quand il va revenir. On voit un mec tout là-bas. On voit ton position. On voit pas, excellent. Voilà, toi t'es en position. Ici du coup, il va falloir attendre qu'il se barre. Pour aller se mettre ici. Quoi, tu me donnes 3 trucs. Ah oui, c'est une petite rémanence. Par là. Pas trop loin. Lui est parti. Lui, ça va, il a une vision assez lointaine. Grâce au gros tas de merde là. Est-ce qu'on se tente de se faire celui-là? C'est risqué, je pense. Ça se tente.
Vas-y, replie-toi. Excellent. C'est-à-dire qu'il y a même là-bas, là, tu peux te faufiler là-bas. Peut-être pour te faire celui-ci. On va pouvoir gérer le mitrailleur quand il va revenir sans trop de problèmes. Ne bude to čekat. Ja se o to postaram. Demi-tour, mais on est passé dans son angle mort. On va aller se cacher par là-bas parce qu'il y a l'autre qui revient là. Lui qui va se tourner, parfait. Mais on va pouvoir progresser de d'herbe en herbe. Dès qu'on aura éliminé celui-là, on va pouvoir amener toute la bande ici. Là. Viens, mon petit, viens. Vient pas aussi près que j'aurais aimé. Ah si, il s'approche. Il y a lui qui se retourne du coup. Choper maintenant. Voilà. Comme ça, vous tous là. Vous venez par là. On va perdre un petit peu de vision le temps que. Là on peut avancer un peu. De pampa en pampa. C'est de la vraie ruine ici pour le coup. Hein. Alors là, il y a un mec, mais on le voit pas. Ouais, ah, c'est un tank qu'on a là. Ou en plus, c'est. Non, c'est pas le. Non, si c'est le tank léger celui-là. C'est pas le. C'est le même qu'on a déjà eu. Mais bon, ça va aider quand même. Alors, vous êtes arrivé. Remettez-moi une vision sur lui. Ok, on va pouvoir avancer jusque là. Et remettez-moi une vision sur l'autre du coup. Je sais pas où il est du coup. Dans notre dos, c'est le loup. Ah putain, lui il a pas bougé. Merde. Putain, il m'a vu sérieusement. Abusé. Écoutez-le. Ok, on se recache. Heureusement que j'ai vu que... Enfin, avec le machin qui m'a dit qu'il y avait un mec derrière, parce que... Oh putain, et puis ici... pareil, on est... On est au poil de cul. On va en profiter dès qu'il se retourne. Toi, tu vas profiter qu'il est... En mode YOLO, tu vas aller par là. De toute façon, lui, on l'élimine direct. Il n'aura pas le temps de s'étonner de voir du monde. Ok, c'est bon. Remettez-moi une vision, s'il vous plaît. Parfait. Il va faire demi-tour. Il voit les grenades. Ouais, il voit les grenades. On va se mettre le plus proche possible de l'escalier pour pouvoir lui sauter dessus. Quand même pas non plus n'importe où. Et après on avoine. Excellent. Excellent, excellent. Alors du coup, toi tu viens, tu vas aller chercher ça. Toi tu vas nous poser ça ici, toi tu vas chercher ça. Au moment il n'y a pas l'air d'avoir d'autres loot. Alors j'ai pas envoyé de mec regarder s'il y avait du monde par là. Un petit coup de jumel là. Ok, ça a l'air calme. Revenez là. Toi, tu vas te poser là, on va choisir qui on met dans la titine. Il faut deux pilotes. C'est un grenadier et le mitrailleur. Regardez nos fusillés qui sont rapides et les deux snipes et un grenadier au cas où on ait besoin de balancer de la grenade de manière réactive. Alors du coup, on peut aller par là après, il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est.
des casiers à lapins écroulés, visiblement. S'il y a une ruine. Quelle est notre portée? La dernière info. Ok, ici il y a un autre kit de réparation et du carburant. Donc, il faut qu'on y aille. Pour y aller, apparemment, il faut qu'on fasse le tour par là. Regardons un peu du côté de ces ruines-là. Ici, il y a des mecs, mais dans l'absolu, on n'a peut-être pas vraiment de raison d'aller par là-bas. Non, il n'y a pas de sortie ici. On va vérifier qu'il n'y a rien dans les angles morts, non. Jasná věc, podívám se. Ano. Ouais, ça paraît calme, hein. Allons-y. Regardez juste à gauche, là, occasionnellement. Non, ok. Eh ben, en avant. Poslouchám, pane. Ano. Vaše rozkazy, pane. Poslouchám. Ano, pane. Vous allez vous planquer. Rozkazy, doutam. Toi, t'avances. En quoi que t'avances. Non, tu vas tenir la... Tu vas tenir la ligne là, j'ai envie de dire. On va garder un œil sur eux. Visiblement, ils patrouillent pas. On va garder un œil sur le pont qui est là. Il n'y a que dalle et c'est pas réparable, c'est un bord de map. On va envoyer un copain qui court vite s'en occuper. Même pas besoin d'être en discret, vas-y, trace. Eux, ils sont trop loin, ils voient pas la zone. Non, en plus, nous tournent le dos. Ok, on a nos deux kits de réparation. Našla jsem opravářskou sadu. Parfait. Est-ce qu'on se tente de se faire cela? Ça n'a pas l'air d'être très worth it. Éventuellement, maintenant qu'on s'est rapproché, on peut voir un peu plus loin. Ok, il y a des mecs avec un chien ici. Alors, c'est peut-être par là qu'il y a l'artillerie, hein, parce qu'il y a du monde quand même. Hein. Ça part par là et c'est pas notre objectif principal. Vu que de retraverser la rivière, c'est par là-bas. Donc on peut peut-être quand même essayer de se les faire. On va foutre tout le monde ici. Prêt à avoiner si jamais le tank ne suffit pas. Et par contre, il me faut de la vision. Pour que le tank puisse tirer. C'est quoi ta portée, mec? Je rapproche beaucoup. Ok, charge. Ça c'est fait, on a pris une balle. Deux balles, je crois. Pas mal, pas mal. T'es plus caché, toi. Recache-toi. Là c'est pareil, si on arrive à shooter dans le tas là, on a moyen de faire le taf assez efficacement, on va prendre tout le monde. Allez les ramener là en cas de besoin. On prépare le tir. Ouf. Ça pour le coup c'est un bel échec. Ok, on va repasser en mode tir. Ok, j'étais pas sûr qu'il avait, il avait la portée, c'est pour ça que je lui ai demandé l'ordre de tirer quand même. Là c'est le bord de map. Okay. Est-ce qu'on a un endroit pour se planquer? Pas trop. On faut quand même y aller pour qu'ils prennent des dégâts le char, hein, même si les balles lui font un peu mal. Il va falloir une armée pour lui faire vraiment des dégâts notables. Alors ici, il y a un autre pont. Ok, ça part un peu plus par là-bas. Et en bas, il y a des trucs. Ok, pourquoi pas. En bas, il y a du monde. Ok, il y a du monde ici. Métal, munitions de mitrailleuse. On va chercher ça carrément.
Et du coup, on peut passer par où? Si on veut, on pourrait prendre cette route, sinon. Podívám se, co tam Mais bon, je. Vu qu'on est là, on va faire le tour. Hein. Poslouchám, pane. Už tu. On va voir ce que ça donne. En plus, on sera un petit peu en hauteur, là, si on arrive par ici, pour que notre tank allume ça bien comme il faut. Ah, et le carburant aussi. Ano, pane. La question, c'est est-ce qu'ils vont nous voir d'en bas? Je pense que non. Surtout qu'ils étaient plutôt accroupis en train de bosser. Jeter un œil sur l'autre côté du pont. Postaram se o to, pane. Ano. Il n'y a rien. Podívám se. Et là, on retombe sur la maison qui était là. Ok, très bien. Là, globalement, tourner en rond. Le char. Rozumím. Tu peux plus passer là? Ah, si, tu peux passer. Už jdu. Quand même. Ano, dle rozkazu. Peut-être scripté pour qu'il passe pas. Jsem na cestě. Entre les trucs là. Ah merde, il y a des ennemis en plein devant là. Ok, on se calme. Mettez-vous là. Poslouchám. Tak se podíváme, co tam je. Il y a un mec tout seul qui est assis. Pourquoi pas, et visiblement toi, tu peux pas passer par ici, donc demi-tour. Jsem na cestě. Wesh, il est coincé là. Ok. Vas-y, redescends, on va le faire venir du coup carrément par là, on va voir si ça passe. Ici par contre, on va pouvoir se le faire lui, hein. Ouais. C'est parti, vas-y, longe. Já se o to postarám. Už jdu. Myslím, parfait. Že to qui est les jumelles? C'est l'autre, donc toi. Du coup, ça ressemble à quoi? On peut peut-être se les faire à l'ancienne. Hein. Ouais, quoique non, il y a lui qui est un peu chiant, là. C'est un mitrailleur, là c'est un fusillé. Enfin, après, on arrive, on balance un caillou et c'est fini. Hein. Pendant que le tank fait son petit tour, là... On va quand même diablement plus vite que lui. Alors, il nous en faut un qui a un caillou. Toi, t'as un caillou. Et toi, t'as un caillou aussi. Parfait. On a même de la vision, du coup. Stop. Il va nous voir, lui. Ok, on a... Il nous faut nos deux mecs qui vont avancer un peu au milieu. Voilà. Il faut qu'on avance du coup, toi aussi. Pour balancer un petit caillou par là-bas. Alors toi, tu fais quoi, putain? Ah, il est loin. Připraven, pane! Saloperie. Il y a eu le temps de mettre un petit coup de baïonnette. Bon. On a vu plus propre, mais ça va. C'est sûr qu'on y aurait été au tank, ça aurait probablement été plus efficace, mais au moins... on n'a pas utilisé de munitions. Poslouchám, pane, měním pozici. Go, revenez par là, les gars. On va essayer de trouver le pont qu'on doit réparer. Donc on avait dit du coup probablement par là, par là, par là, tout là-bas. Ok. Sortez de votre discrétion, là. Faut qu'on avance un peu quand même. Rozkazy. Du coup, toi, tu vas te mettre en position... Alors on avait vu jusqu'ici la maison, on a été chercher les trucs, c'est là, ok, donc on a été jusqu'ici. Vas-y, viens là. Je vais mettre un raccourci sur les piétons parce que c'est un peu chiant. Ah non. Voilà. Dle rozkazu.
Parfait, on se planque et on regarde un peu ce qui nous attend. Je crois que j'avais regardé, il n'y avait pas grand chose, il y a des barricades, mais que dalle. Il y a un truc explosif là-haut. Ici, il y a une petite baraque avec rien. Du coup, là-haut, il y a quoi? Un tir d'artillerie là-dedans, là. Ça va être extrêmement propre. Ok, donc faut qu'on arrive de flanc. Très bien. Arrivons de flanc. Toi, du coup, viens jusqu'ici. Vous, en avant. On a pas trop de planques sur le côté. Alors, tuer le médecin. Détruire l'artillerie et tuer le médecin. Il y a une cloche. Et s'ils sont tous morts, ah bah, il n'y a plus de cloche. Totalement. C'est comme ça que ça marche. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Ah, ils ont un tank. Non, ils ont pas un tank. Ils ont un mec qui repart un tank. Mais pour l'instant, il n'y a personne dans le tank. Il y a un type qui dort. Ici, il y a un officier d'élite de type médecin. Il travaille sur ce truc-là. Alors, quel serait le plus pertinent? Est-ce qu'on peut voir la portée? Il y a un moyen normalement de voir la portée de ce truc. Si je choisis d'attaquer, j'ai pas de portée. En fait, je me demande si c'est plus intelligent de sniper ça ou d'y aller au char. Les cas, on va avancer, hein, bien sûr. Quelles sont nos positions possibles? Ça, c'est pas mal. Ça. En vrai, c'est vraiment une belle position. Avance-toi, reste pas trop derrière. À portée d'un snipe. Ah non, toi non. Et toi, je crois que ouais, t'as déjà un bonus de portée. Après, on n'est pas si loin. Hein. Franchement, on n'est pas si loin. Toi, viens plutôt par là pour avoir vraiment un bel angle. On va mettre un coup de jumelle avec lui. Le tank a une vision maximale. Et toi, tu vas aller mettre... Ah, on peut peut-être pas viser ça, si on peut viser ça. La question c'est, est-ce que je vais pas avoir un angle trop pourri? Ouais, ouais, j'ai un angle vraiment trop pourri. Ouais, on reste là. Il y a lui qui revient en plus, il va voir notre char. Sakra! Připravte se na boj. Rozkazy! Ok. Venez là, vous. Ano? Hledám kryt. Pas bien sûr de pourquoi on prend cet angle, mais... Ah putain, je le vois plus. Le mec qui va sonner l'alerte. Připravenější už nebudu. Moudrá volba. Alors toi, allume-nous ça. Oh putain, ils sont en train de faire venir. Faire tourner leur truc là. Une grenade. Pas cool, avance. Replacez-vous par là-bas. Il prend un peu cher du coup. Là, il va falloir sniper. Toi, snipe par là. Ok, ils ont chargé le char. Allume-le. Toi, c'est pareil. Il va falloir que tu vises celui-là. Ah non, mais ils sont cachés. Pourquoi ils sont encore cachés? Je crois que je les avais sortis de leur mode. Okay. C'est ça qu'ils sont aussi là. Toi, vise celui-là. Ok, déjà le mec, le médecin, c'est fait. Là, on allume le char. Ça va être bataille de char contre bataille de char. On va essayer d'optimiser nos snipes au maximum, mais du coup, on a pris un petit peu cher. Ça, c'est une mitrailleuse, là. On nous fait un peu mal. Une autre mitrailleuse là-bas, la priorité c'est le char. Jusqu'où tu peux lancer tes grenades, toi? Jusque là, parfait. Déloge-moi cet enfoiré, là. Ouf. Aouh.
Mustangs. Ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait carrément mal. Il est déjà en train de recharger. Alors, est-ce qu'on a dû stabiliser sur nos mecs encore debout? Ouais, t'as toi qui as stabilisé. Ano, rozkládám rozkazy. Ano. Toi, tu fais quoi là? T'es en train de faire le taf? Je to jen škrábnutí. Zde. Jdu do krytu. Ah, putain. Eh bah tu m'étonnes à te lever comme ça. Merde, shoot-le. Ok, ça c'est fait. Maintenant il reste le char. Ça va être le pire. Granate. Putain, il s'est arrêté ce coup. Ok, on l'a shooté. Il va nous tirer dessus. En arrière. Du coup, qui nous reste? Alors, faut stabiliser les mecs qui sont en train de mourir. Toi, tu me stabilises lui. Toi, tu démontes ta mitrailleuse. Tu me stabilises celui-là. Et toi, t'es là. Tu peux rien faire, ok. Il est debout. Toi t'es debout. Toi t'es debout. Poslouchám. Toi t'es debout, tu peux stabiliser, vas-y, stabilise. Oh non. Toi t'es en train de recharger ton stabilisé. Excellent, tu vas me stabiliser celui-là. Alors là on a pris un peu cher, hein. C'est la première fois qu'on prend cher vraiment sur une mission. Alors clairement le coup du tank, hein, donc c'était un peu ce que j'avais anticipé la fois où j'ai pris la bagnole et le tank. Là j'avais dit bah le problème c'est que si jamais on est trop long à prendre la zone, ils vont prendre le tank à notre place. Et donc visiblement l'IA le fait, hein. L'IA le fait carrément. Ok, on a un truc de soin, on va soigner toi. Je pense qu'on peut soigner qu'une fois. Ouais. Alors. Mais au moins on a du loot. Il va falloir qu'on y aille un petit peu plus, comment dire, gentillet. Pour la suite. Zde. Vache. Ça a picoté. Schovám se. Ça a picoté, mais ça fait un bel objectif de fait. Du coup, là, il y a un pont bien gardé par les rouges, j'imagine. Et nous, on va pouvoir réparer ce petit pont secondaire. Mais on le fera lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.